Chan. Ah, vous savez, des fois on est dans le rush, on n'a pas le temps de tout faire, on est pressé. Regardez-moi, ce matin j'ai même pas eu le temps de me maquiller. Bon d'accord, je suis moyennement crédible là. Alors que, il faut savoir prendre son temps, car le temps c'est de l'argent. Et de l'argent, il en faut pour se faire un petit plaisir de temps en temps. Vous croyez pas que je sois vénale, hein, mais des sous c'est nécessaire. Par exemple, pour se payer la célèbre voiture submersible de James Bond. La Lotus Esprit utilisée pour le tournage de L'Espion qui m'aimait en 77. C'est le milliardaire Elon Musk qui s'est porté acquéreur du véhicule pour seulement, attention, 920 167 dollars. Soit 672 310 euros. Oh mon dieu, c'est trop cher. Déçu d'apprendre qu'elle ne roulait pas et qu'en plus elle était tout de même très peu étanche, il a décidé également de customiser son nouveau trésor. Auparavant, il était recommandé d'avoir sa tenue de plongée à l'intérieur du véhicule. Après une séance de tuning boosté, l'objectif est d'en faire une voiture fonctionnelle et vraiment transformable. Ou alors, c'est pas donné de craquer pour ce cellulot de Totoro. Une scène emblématique du film avec tous les layers et le décor en bon état. Une enchère comme on en voit simplement une fois tous les 10 ans. Un beau lot à Jujia. Oh là là, encore des gros sous. 3 046 000 yens, soit environ 22 750 euros. Ouah, on peut dire que ça lui aura coûté la peau des pixels. Mais des fois, on n'a pas le temps, ni les moyens de se faire plaisir. C'est triste. Par exemple, pas moyen de se faire une virée à Londres pour fêter le 50e anniversaire de Doctor Who. On peut se consoler en se disant que France 4 diffusera le 23 novembre cet épisode spécial, The Day of the Doctor. Un épisode de 75 minutes que les fans ne manqueront sous aucun prétexte. Donc, je le note dans mon agenda. Est-il besoin de dire que ce n'est pas la peine d'essayer de me contacter ce soir-là? C'est un peu triste. J'avais prévu une super soirée magique avant que j'apprenne la nouvelle, mais j'ai tout annulé. Dans la vie, il y a des priorités. Et puis, j'aurai bien l'occasion de les traîner un autre jour, mon deck spécial Indie Game. Magnifique, vous ne trouvez pas? Regardez, le souci du détail. Mais quel bonheur de dégainer une carte Clone Game, un objet Donate Button ou IGF Trophy. Les amateurs de jeux indés devraient apprécier. Certains qui sont bien occupés, ce sont les Goombas de Nintendo. Vous vous êtes déjà demandé ce qu'ils font quand ils ne sont pas mobilisés par Bowser? Je crois qu'on a trouvé une réponse. De se plaindre et de se lamenter, il faut faire du mieux qu'on peut et c'est tout. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bon, pas évident quand on n'a pas de jambes. Allez, à bientôt bande d'otaku.